Yo, salut à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils et aussi vous donner quelques petits trucs techniques pour choisir votre forfait mobile. Alors, on commence tout de suite. Un bon forfait n'est pas forcément très cher. Voilà, ça je vous le dis parce qu'il y a des gens qui prennent des forfaits à 40€ en se disant « oui, c'est bien », etc. Oui, peut-être qu'il y a certains opérateurs à 40€, vous avez des avantages que les autres n'ont pas. Mais en général, ça tourne autour des 20€ par mois. Un bon forfait normal, appel, SMS, MMS illimité, sans engagement, ça tourne autour de 20€ en 4G. Donc c'est pas forcément très très cher. Dans certains forfaits, vous avez une option qui s'appelle le Fair Use. F-A-I-R, plus loin U-S-E. Fair use, c'est de l'américain, et en gros ça veut dire utilisation raisonnée, utilisation raisonnable un petit peu. Et en gros ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous arrivez au bout de votre forfait, donc vous avez fini, paf, normalement vous êtes coupé, donc vous n'avez plus de signal, plus rien. Donc la carte SIM, vous pouvez vous la mettre dans le cul. Et bien le Fair Use, ça vous permet de continuer d'avoir du forfait gratuitement, mais à débit réduit. Donc vous pouvez juste gérer vos mails, quelques pages internet par-ci par-là, mais rien de bien fou. Et vous avez une consommation comme ça qui vous est offerte le temps que vous renouvelez votre forfait en fait. Préférez prendre un forfait sans téléphone. Vous savez les forfaits avec le téléphone, l'iPhone 7 à 1€ là, vous voyez, hein? Arrêtez ça. Parce que c'est une vraie arnaque. Soit les forfaits vont être avec engagement 24 mois ou 48 mois dans les plus sévères, mais le but de l'opérateur c'est de rembourser ce dit téléphone. Donc c'est une arnaque. Parce que pourquoi, je vais vous le dire tout de suite, vous payez 20€ plus une caution pour le téléphone. Voilà. Donc ça fait chaud quand même sur le porte-monnaie. Hein. Donc arrêtez les forfaits avec des téléphones inclus. Prenez un forfait sans téléphone et achetez un téléphone à Boulanger, à Auchan ou quoi. Un téléphone à côté que du coup vous allez pouvoir changer de forfait comme ça. Bon, j'arrive pas à claquer des doigts parce que bon, j'ai pas le... En gros, vous serez pas obligé de changer de téléphone pour changer de forfait pour... Nah! Vous avez envie d'arrêter, paf, vous enlevez la carte SIM, vous allez chez Free, vous leur collez la carte SIM à la figure et c'est fini. Vous allez chez Orange avec votre téléphone et puis vous dites, voilà, c'est génial. Vous êtes libre de changer de forfait comme vous voulez parce que vous n'avez pas pris le téléphone à 1€ qui allait avec. Les opérateurs qu'on connaît, Orange et tout, n'ont pas tous leurs antennes. J'explique. En France, il n'y a que 4 opérateurs qui ont des antennes. Il y a Orange, il y a Free, il y a Bouygues Télécom et il y a SFR. Ces 4 opérateurs sont des opérateurs historiques entre guillemets, puisque Free, j'ai quand même des doutes. Eux, ils ont des antennes, donc des relais 4G, hein, chez vous, un château d'eau, en haut d'un appartement. Et ces antennes donc appartiennent à Orange, Free, Bouygues ou SFR. Le mieux, ce serait de s'abonner à ces opérateurs-là, parce qu'ils ont leurs antennes. Donc s'il y a un problème, vous les appelez. Et ils vous disent tout de suite ce qui se passe, d'où ça vient, machin, et voilà, vous êtes réglo. Parce que les opérateurs qui n'ont pas d'antenne, je pense par exemple à La Poste Mobile, Auchan Télécom, à Énergie Mobile, vous savez, des marques un peu comme ça, ils n'ont aucune antenne. Ils exploitent un réseau qui existe, Orange, Free, etc. Et du coup, bah, s'il y a un problème, vous les appelez, mais ils pourront rien pour vous, parce que c'est pas eux qui gèrent, tout simplement. Donc en termes de SAV, je vous conseille plutôt les Orange, les gros opérateurs, quoi. Et donc du coup, on en vient à la petite sélection du pauvre. J'ai pris donc ce forfait sur toutlesforfaits.fr, c'est un petit site qui vous permet de comparer tous les forfaits mobiles par prix, par fair use, par data, ce que vous voulez. Et voici la sélection de Monsieur Sébastien. Oui, je m'appelle Sébastien, pour ceux qui n'auraient pas compris hein, le délire de la chaîne, c'est Seb. Bon, hein, 19,99€ par mois, c'est Free Mobile. En option, vous avez Wi-Fi, modem et VoIP. Donc Wi-Fi, vous avez accès au spot de chez Free. Modem, vous pouvez connecter un autre appareil sur votre téléphone en exploitant la carte SIM, pardon, de votre téléphone. Et puis la VoIP, c'est Voice IP. Donc, en gros, c'est le téléphone par Internet. Vous avez les appels, les SMS et les MMS illimités. Et surtout, une option hyper intéressante qui vous permettra de regarder des vidéos sur YouTube comme des gros porcs, c'est la data illimitée. La data illimitée, c'est Internet. Clairement, c'est la consommation Internet, donc YouTube, page Internet, plein de choses comme ça. Tout ça, c'est illimité pendant un mois. Mais, ne me demandez pas pourquoi, il y a un fair use de 50 gigas. Donc c'est illimité, mais en fait pas du tout. Donc ça, c'est la petite enculade chinoise de tous les forfaits, c'est illimité, puis il y a une étoile à côté, donc voilà.
19,90€ par mois, c'est chez Free Mobile. Selon moi, c'est le forfait qui est le plus avantageux et qui représente un bon rapport qualité-prix. C'est un bon forfait qui est pas nécessairement très cher, 20€ par mois, enfin je veux dire, c'est pas la mer à boire. Hein. Voilà, c'est tout. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en dessous, il y a les commentaires, c'est ouvert, c'est fait exprès, sinon j'aurais fermé les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne C'est Seb. Je suis également sur Facebook et Twitter, sur la page @CSebOfficiel. Tout collé, sans aucune majuscule et sans aucun accent ni espace, rien du tout. C'est Seb Officiel sur Facebook et Twitter. Je suis en train de vous préparer un petit site internet, la crème des crèmes. Ça va arriver avant Noël, j'espère. Je vous en reparlerai très bientôt. Passez un très bon mercredi. C'était Seb et à dimanche 15h. Salut.